Salut, salut les amis. On espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est au Centre des Arts de la Guadeloupe. Et oui, le Centre des Arts et de la Culture, où on venait voir des spectacles avant, juste à côté de la mairie, le Pointe-à-Pitre, qui est voilà, qui est ben, juste à côté. Et on a effectivement un camarade qui fait partie des artistes en résistance. Kikaï, expliquez-nous. Effectivement, Kaki, le massacre mis effectivement affiche là, le massacre de Tiaway. Voilà, exposition Kaki a fait. C'est artiste en nous, artiste local en nous. Nous voyons gros force encore pour tous les artistes qui, ici, dans même au Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre, autrement appelé le CAC. Donc, il est présenté, il est parlé nous des massacres là, ça. Et après ça, dans la deuxième partie, on va vous présenter les différentes œuvres qu'il a fait. Donc, on voit les tableaux là qui déduisent. Là, c'est des tableaux qu'il a fait effectivement à la main. Plusieurs tableaux qu'il a montré nous, œuvrailles, des beatings qu'il a fait qui en Centre des Arts là. Bonjour, bonjour camarade, présentez-vous. Bonjour, ben, moi c'est Kai Gaspard, alias Gédou. Donc je dis joue si on l'a rendu compte. Parce que depuis arrivé ici dans, en 2018, en 2019, moi j'ai écrit à 5 lieux différents pour exposition, là, rencontre, là, rencontre, histoire, le massacre de Tiaway. Pas de réponse. Et donc on est en résistance, et on dit comme quoi, on dit moi, pourquoi ne pas faire ici. Donc le massacre de Tiaway, ce sont les tirailleurs sénégalais que le pont est mené à Tiaway, dans la ville de Tiaway au Sénégal. Et ils ont demandé soldats, soldats, anciens combattants. Et à l'époque, c'était De Gaulle et Mitterrand qui étaient au pouvoir. Et leur a envoyé en équipe coloniale pour tuer ces messieurs. Donc au départ, d'après les sportifs, c'était une 35, aujourd'hui une 70, et vous tenez une piste. Le 1er décembre 1944, c'est le jour anniversaire qui. Tous ces métiers. Parce que en seul monde tu vas connaître. En seul monde tu vas connaître. Réponds-nous d'être là, c'est quand? Le 1er décembre 1944. 1er décembre 1944. C'est la date que Yotu s'est métier. 44, nous en 2022, qui a fait presque 80 ans. Hein. Ouais, 78 ans, ouais. 78 ans, ouais. D'accord. Donc, ça a fait longtemps qu'il va combattre. Si vous avez demandé que en tant qu'ancien combattant, tirez à dans les forces communes. Aujourd'hui, je joue parmi encore six métiers d'anciens combattants. Il y a toujours dans force commune. Et ouais, on en goûte une mémoire. Voilà. Mais c'est ça. Et en plus, ce combat-là, en Kamenela, son combat qui avait, c'est qu'il a passé du jour au rouleau. Pas de différence. C'est massacré. Ah, il y a eu massacré même. Ah, j'ai massacré. Ah oui. Aujourd'hui, je joue encore, il y a arrêté quatre frères. Ouais. Voilà. Donc c'est ça. Mais vraiment, c'est quoi? Mais c'est comme qu'il y a 5. Il y a 5? 5, ouais. Donc je dis, c'est pas des affaires, quoi. C'est africain, c'est machin, c'est le même combat. Nous, voilà, c'est le même combat, je vais pas entrer dans le détail. Mais c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça, effectivement, que c'est mon résistance. Et au TK, dis-moi comme ça, qu'avec tout combat qu'il y a mené, il n'y a pas arrivé à une réparation non plus? Réparation. Mais oui, parce que je dis, parce que nous, on a un homme qui a occupé de ça, c'est Amel Mabon, et historienne. Et comment dire, universitaire. Et là, vous voyez qu'il a intervenu, le gouvernement français qui a empêché d'aller dans les archives. C'est la télévision, il n'a jamais invité à la télévision. Quoi. C'est toujours les autres. Parce qu'il califie en cause noble. Et exactement. Voilà. Très bien. Donc voilà, donc nous allons rester au courant de ça. Nous allons montrer qu'il y a une affiche là, nous allons présenter nous les différentes œuvres qu'ils ont faites. Donc les amis, mis effectivement. Zoni, toutes les informations, ainsi exposition qu'il a fait ici du 1er au 18 décembre. Vilivré, là, nous avons montré les autres, ainsi Média 97 plus Jean Saka passé. Mais Vilivré, il vient discuter avec la rencontre, l'histoire, le massacre de Tiaway. Voilà, ils ont vrai, Zoni, téléphone là, ils ont tout contact là en bas. K. Gaspard, 06 63 47 68 49. Contactez-y, qui va se piste information à ça. Et nous voyons gros force encore pour le CAC. Vous ouvrez le CAC, le Centre des Arts et de la Culture, avec Q Kodai. Voilà, il y a une toute information. Ici, nous n'y là, sous toutes ses formes. Alors, qui c'est les premiers tableaux pour présenter nous? Mais Adam, l'exposition, il faut dire aussi, on a fait en exposition.
encore représenter tout ça que nous avons fait avec Coco. D'accord. Nous faire avec Coco. D'accord. Donc c'est premier là fait et après et puis tant qu'il voit un Tijan à remonter. D'accord. Voilà. Alors si vous voulez, ça c'est en premier tableau. Nous on c'est exploitation, oligarchie, exploitation. Donc ça c'est un tableau qui est offert en 2020. Alors un tableau comme ça, nous va voir qui a représenté en cible, est-ce que c'est bien ça au TV représenté ici? C'est-à-dire que la, nous centre, nous centre. Par contre, sans plaisir, c'est là où on a fait un tableau. Et pas qu'à commenter. On va commenter, c'est à Mouna, Dak, à Paris, en Canadien. Sérieux, dis-moi, que ça n'a pas vrai. D'accord. Si vous avez ni sentiment, c'est ni guerre, c'est ni amour, tristesse, c'est à sérieux, de dis-moi quoi. Oui, effectivement, l'art est subjectif. Voilà. Donc les amis, nous quoi les autres garder ces tableaux-là. Donc Zoké Vini, nous peut faire des gros plans assis, parce qu'il faut être Vini vrai, parce que Zoké voit ça dans les écrans-là. Mais déjà, Zoké s'y place, Zoké sentit une émotion qui a fait en disant les couleurs qu'il mettait, qu'il a inspiré. Zoké vrai, il a simplement habité avec de paraître, mais il faut être Vini s'y place. Et vrai, ça il a représenté. Donc nous quoi les autres garder déjà, garder ça il a fait. Ça y a fait, j'ai qu'à peinturer les couleurs qu'il a mettre en avant et j'ai qu'à représenter, ils ont senti, ils ont même à autres, ils ont senti l'art. Donc vous voyez ici en centre des arts là, vous voyez c'est comme ça y est. Pour les gens qui ne connaissent pas, les gens qui ne connaissent pas le centre des arts là, les gens qui parlent en Guadeloupe, les gens qui en France, les gens qui sont en France et d'ailleurs Martinique, Guyane, qui regardent de tous côtés. Et bien, mis centre des arts là, c'est là que nous avons venu regarder des concerts à Jean-Michel Rotin, Riel Limite, Richard Biman, Alès Catherine, tout ce monde qui a venu chanter là, paroles pourries. Et puis je dis là, il y a un travaux depuis 10 ans quand même. Hein. Ouais, 15 ans après. Depuis 15 ans, ouais. Voilà. Donc, depuis une quinzaine d'années, le centre des arts est en travaux. La ville Pointe-à-Pitre super endettée, je dis, il n'y a pas de l'argent. Puis ça a fini les travaux là et puis laisser ça pour Cap Excellence. Cap Excellence apparemment a acheté effectivement. Et comme Cap Excellence plein d'argent, Cap Excellence qui peut ça fini les travaux. Là nous avons une raccoon. Ça c'est d'autres artistes. Voilà. Mais ça effectivement ça belle aussi tout bonnement. Oui, même temps parce que ça a marié, parce qu'on prend là parce qu'il a marié rapport à ce tableau là. D'accord. Pas ni opposition. Oui, c'est ça. Mais si on veut acheter un tableau, est-ce qu'il peut acheter? Et bien, maintenant, on va vous dire, parce que c'est une exposition qui n'a pas de vente. Parce que là, on compte l'histoire, le massacre de Suaroy. On ne le montre pas connaître l'histoire là, ça. Donc, on ne peut pas faire l'argent à sur une histoire. D'accord. Après, plus tard, parce que ça en fait, plus tard, on fait un appel aux artistes, nous, connaisseurs, qui des objets sur le massacre de Suaroy. Voyez-vous moi. Pour plus tard, moi, faire une grande exposition avec un bon photographe. Après, plus tard, là, où est-ce qu'il réussit, après ces tableaux-là, il y a vente. Après, OTP aussi fait des ventes. Et comme on dit, il n'y a pas de réparation, on prend tous les fonds et voyez Bayou aussi. Ben là, ça t'écrit en acte noble aussi. Hein. Oui, ça t'écrit en force Bayou. Si vous récoltez 50 000 euros, 100 000 euros, vous voyez les Tiwaouiens et puis vous avez fait ça, vous avez fait avec aussi. Oui, ça t'est qu'il peut être en don, en association, ouais. C'est plus tard. C'est plus tard, d'accord. Oui, parce qu'il faut nous apprendre l'argent aussi. Hein. Parce que nous savons l'état colonial, le cas pour l'argent, c'est nous, pas toute manière. Le cas pour l'argent, c'est nous, il ne faut pas nous hésiter pour l'argent, pour nous nourrir, pour nous bien sûr, pas pour fonds personnels, nous bien sûr, hein, mais pour nous nourrir la lite. Donc voilà. Là, nous ni, alors, est-ce que ça c'est tableau? Oui, oui, tout ça que vous voyez, c'est la montre. Ça c'est tableau. Donc voilà les amis, donc ces tableaux sont vraiment en exposition. Donc quand camarade là disait effectivement, lui pas qu'à faire l'argent c'est ça, donc Zoka vini, Zoka apprécié l'art, ça gratuit, Zoka apprécié l'art et puis Zoka gardé jeune qui a travaillé, ça a inspiré les autres, Zoka discuté avec ses aussi artistes aussi, Zoka bail point de vue à autres. Voilà. Nous allons comprendre, nous allons tout comprendre, ça nous allons vivre depuis 2020, nous allons voir les gens ni en l'eau restriction, donc nous allons voir l'eau couler sombre, en l'eau couler sombre qui a sorti. Non mais c'est bon, nous allons enchaîner, après. Oui parce qu'en fait, il était quand les amis, comme il y a un groupe qui démarrait un groupe électrogène, puis il peut s'en mettre lumière parce qu'ils ont il y a quelques mois,
que la ville de Pointe-à-Pitre coupait courant là si vous. Il n'y a pas ni courant, il a coupé embranchement. Il était prêt à don lampe et il a coupé courant là. Ce qui veut dire qu'il y a ni un groupe électrogène et puis il a limé groupe électrogène là pour que ça venir si brin lumière. On dit bon, mais si vous mettez lumière, même si vous avez des autres, si vous avez fait action, il fait action. Donc là, nous avons peut-être l'Afrique pied pour tête. Nous avons peut-être l'Afrique pour pied pour tête. Voilà, nous ne savons pas. C'est, mais, ça. C'est ça même. C'est ça. D'accord. L'Afrique pied pour tête, donc l'Afrique, nous avons envoyé toute force, tous camarades africains, nous avons un lot africain qui est connecté à 6 médias 97+, à ces différents médias qui nous ont mis, Canal 97+, IPTV, dans l'eau africain qui a gardé, qui attend qu'elle nous vienne aussi en bas là, qui attend qu'elle nous vienne en bas là. Et ça. Ça alors, là. Salut Olivier, oui, nous avons appris ça, mon virgin, après ça nous avons appris ça. Ça là, c'est. Enfin, on appelle en Suisse du CAC. D'accord. Puis on fait en surailleur, il y a une scène qui a représenté le massacre. Ah, ou où les sons, espace Bayou qui vous fait Bayou, parce que pour l'instant, c'est monté ça, il y a fait exposition à ça, quoi. Maintenant, vous avez que d'autres artistes participer à ça aussi. Pour d'accord, donc on laisse espace là Bayou. Ouais, ça belle tout bonnement parce que vous avez des artistes. La clé du savoir, effectivement, qui était toujours avec Kala Motunde et qui était aussi assis sur le cueil. Voilà. En deuxième. Il a couché là. Ah oui, d'accord. Ah, ben, t'as la partie, oui. Ah, ouais, you fail. Ah, oui, mais là, you remonté dans le passé. Elle était plus jeune. Là. Donc, là, il y a un deuxième portrait à Kalala, au Motundi. You fail, elle était plus jeune. Elle était peut-être étudiant. Voilà, fait Kalala au Motundi. Nous, peut-être, j'ai oublié. Hein. Nous, peut-être, cesser par les deuils parce que c'est un monde qui était ni. Très talentueux, très intelligent, très instruit. Il t'a ramené bonnes informations. Bon, nous, malheureusement, il est parti trop grand bonnet. Il est parti trop tôt. Il est parti, nous, personne n'a pas été attendu à ça. Et puis, voilà. Il va nous deux ou trois informations que nous allons essayer de garder sur les pistes pour nous faire travailler sur ces pistes-là. Ça. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous ne pouvons pas arriver à développer. Nous ne pas arriver à développer assez avec. Nous retourner. Voilà, ça c'est l'escalier. Donc voilà les amis, les différents tableaux. Voilà, avec non haï effectivement. Mensonge d'état d'hier et d'aujourd'hui. Voilà. C'est un fragment. Vous aurez génié, effectivement, on va sentir que c'est un mélange de bitets sombres et un mélange de sang. Voilà. Un mélange, on va sentir que c'est un peuple qui est en souffrance, qui a exprimé par l'art. Par l'art, effectivement. Ça a l'air un petit brin premier là qu'elle ouvre là, mais sauf que cible là, raté cible là sur le côté. Alors, Titaï, c'est un peu ici. À l'époque de la Napoléon, et Napoléon, c'est là où il fait des, comme dire, dans la langue française, du coup, la murée, et après on dit que ce sont des généraux incapables. D'accord. Les mentiers, parce qu'il était des généraux et puis c'est des nègres. Je dis juste incapable, c'est Macron et toutes les politiques de Guadeloupe. D'accord. Toutes les maires, tous les conseillers généraux, départementaux, ça, ce sont impérissés, ce sont des incapables. Oui, il n'y a pas la hauteur. Là, nous avons vrai, ça c'est 1067 ça. Ouais. Ça c'est 1067. En fresque. Voilà, en fresque à 1067. Je crois que c'est 1067. Dans le monde qui mort, il y avait Guadeloupe qui est sorti avec armes de tennis. Je crois que pour tout le monde pour donner des gros physiques, machin, tennis, des pics. Des pics. Le monde prend ça, il y a tennis après, puis il peut s'agoumer en 1067. Et puis voilà, ça c'est en fresque à 1067. Papa, y a là, machin. Là, nous ni Papa Yaya, nous ni Patrick Saint-Éloi. Voilà, Patrick Saint-Éloi. Ni des très belles bitins. Hein. C'est monde qui peut venir ici dans Vini. Ce qu'on voit, c'est très sympathique en piste. Hein. C'est très gentil ici dans. Il est très sympathique. Il a fait des bons petits mangers aussi à l'entrée. À l'entrée, là, on sait quoi tout venir. Il a fait des bons petits mangers. Donc, si vous venez là, vous n'avez pas le temps de faire manger. Vous occupez à acheter un repas. Produits locaux. Produits locaux. Il a fait.
Je vais faire farine de yaourt de coco, beurre de coco. Voilà. Et puis nous l'avons. Ah oui, Kafka. Donc les amis, qu'on garde les autres, pas hésiter, les autres aussi, allez-y place, vini, ouais. Vini, ouais, c'est mon assis place. Nous sommes médias, nous n'avons pas besoin d'informations, mais nous, des fois, nous pas comme matin, nous n'avons pas besoin d'informations, c'est ça qui a fait au niveau à Montvergue, parce que nous attendons aussi qu'ils aillent aussi pour que ça vrai, gens ce qu'a fait, à ici place. Parce que si ils n'ont pas vrai, ils n'ont pas amené soutien là pour eux, ils ont besoin de soutien aussi. Faut que ça vienne. C'est comme Monsieur Gaspard, il a montré ce qu'il a fait là. Mais il était tellement content d'être vrai qu'ils ont pas vu vrai. Ils ont dit, bon, Monsieur Gaspard, nous voulons aussi Média 97 Plus. Mais nous vous êtes vrai, en vrai. Jean, ça y est, exposition, waouh. Voilà, exposition, c'est temps ça qu'a pris. Et puis ça fait tout ça. Ah, il mettait lumière là-bas où? Ah voilà, il mettait groupe électrogène là. C'est moi, ça qui peut être là. D'accord. Ah, ça sent bitter ensemble, moi, c'est. Ah ouais, parce que ensemble, vous pouvez manger en losé. Ensemble, vous pouvez manger en losé. Donc là, les amis, un peu disent que ça, c'est la diète. Hein. Moi, je n'ai pas de définition à tableau à ça. Ça, c'est un tableau à la diète qui explique le nombre de rations protéiniques qu'il fournit à en journée pour que ça ni en bon dépense de tissu adipeux. Donc voilà, voici tableau là. C'est un tableau à sport qui a montré les œufs. Les œufs très 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 importants dans une diététique. Combien zéro à manger par jour? Zéro. Zéro. Ouais. C'est quoi ta diète? Et avant manger des légumes, tout ça ces années, mais pas de viande. Ça va, tu goûtes très peu. Ah d'accord, donc on comprend nous tu es végétarien. Donc voilà les amis, les végétariens nous avons un gros fosse pour autres. Nous avons un gros fosse, mais c'est vrai que manger les concombres, c'est Gaspard Azote, très peu, mais de tout. Manger très peu de tout. Organisme en business, ça. Faut pas rabailler ni trop. Faut pas rabailler 10 et 20 et 30 et. Mais pour que ça reste en l'amour, vous voyez, j'ai marqué là. Il marqué on love. En jeune, tout le monde, 8 ans, il fait ça. 8 ans? Ouais. Vous voyez, les amis, regardez où tout le monde, c'est eux qui n'ont plus l'amour en caillou. Vous voyez ça, un petit monde de 8 ans. C'est eux qui font un petit banc pour 6 et assis. C'est leur avis, nous voyons 6 et. Un banc avec palette. Il m'a marqué on love assis. C'est marqué, ouais. Voilà, il m'a marqué on love. On t'y bon, quoi, vine là, quoi, dans son désert là. Ou quoi, cisé. Ouvrez, ou à côté la mairie là, une place qu'il a aussi. Une place qu'il a. Un petit jardin, hein. Un petit jardin, ouais, effectivement, ils ont fait un petit jardin. Vous avez des plantes médicinales, hein, nous quoi, rappeler. Nous voyons les autres qui ont mis des santé. Donc, une bonne plante médicinale qu'il a. Une des camarades de la Martinique qui est de passage aussi en bas. Nous avons discuté avec eux depuis un moment, nous là. Et camarade de Martinique là, ils ont venu mener en force, mener en solidarité pour la lutte. Quand on regarde la lutte, c'est plusieurs côtés en Guadeloupe qui ont une lutte. Il y a plusieurs luttes. Nous allons essayer de faire une force à chaque monde. Je dis là, nous avons une force aussi à Saint-Désard. Vous voyez ça, c'est un art encore. C'est un petit jet à Gogo. Un déculoté. Depuis qu'il y a duré, bon, déculoté. Nous avons avant, depuis que nous avons ralenti le branchage comme ça. Depuis la bataille, on a ralenti le branchage. Il a dit, je vais te donner une déculottée. Bon, en fait, il n'a pas dit qu'il a dit iPhone, mais du coup, c'était un déculotté. On dit en créole, un déculotté. Et bien, voilà. Donc, nous restons pas chaque monde si bon force. Nous restons pas centraliser trop force là, parce que c'est vrai que nous avons une tendance, effectivement, à centraliser force là si on sait lit. Mais on va essayer bah, chaque lit si bon force. Chaque petit point force, il y a des soignants suspendus qui ont résistance, mais qu'on regarde tout le temps, il y a aussi le centre des arts qui ont résistance aussi. Et il faut nous passer voyou plus souvent pour nous savoir la parole. Passer plus souvent voyou. Il y a d'autres lits, il y a les grands frères aussi qui ont résistance. Il y a les grands frères, donc il faut nous passer voir les grands frères aussi. Famille à les grands frères, parce que les grands frères même enfermés. Faut nous passer ouais, famille à les grands frères. Faut nous passer faire des émissions aussi avec famille à Clodo qui est loin.
en métropole, mais nous pouvons faire des émissions à distance avec eux. Donc là, à présent, nous allons essayer de décentraliser l'immier là. Voyez l'immier, c'est tout le monde. Donc c'est vrai que, à la coupe, nous autres, nous vivre aujourd'hui là, ça qu'a fait au niveau à Montvergue, mais nous basons toutes les formations hier, nous disons allez. Nous devons aller sur place pour nous ça vrai. Mais si nous restons seul côté, ben restons ces camarades-là qui ont goumé, qui ont lité, ben il n'y a pas qu'à ni lumière. Donc nous allons essayer de distribuer les lumières là, de tout côté, pour nous ça vrai, ça qu'a fait au niveau de la lite, tout côté, en Guadeloupe. Donc voilà, aujourd'hui là, nous sommes M. Gaspard avec nous. Peut-être après-midi, nous pouvons trouver nous avant d'autres camarades à la lite. Nous pouvons trouver peut-être famille et les grands frères. Nous pouvons trouver nous avec. Voilà, nous allons essayer de mener la lite. Petit brin pour tout le monde. Sur ce. Ah, dis-moi. On a oublié et dit merci, le Seigneur l'eau, parce que là, on est en bonne force et vous voyez ça. Yes, I. En bas live, ici. Donc. Ah oui, ça a voilà. Propagé, hein, de haut fond, de cette raison. En bonne force pour moi, merci en l'eau. Quoi. Yes, I. Ouais. Et puis, bon, quand nous avons dit ce monde-là, le plus important, c'est vrai qu'il y a une force à médias, ça bien, mais il faut que vous veniez sur place. Mm-hmm. Parce que vous, son artiste, il faut que vous sentiez l'énergie-là, quoi, mettre dans la passion. Parce que ça, on va faire là, son passion, son temps, on prend. C'est émotion, wow. C'est ça qui est l'esprit wow, qu'on mettait là. Il faut venir communiquer avec eux, pour qu'ils discuter avec eux, parce que sans biton qu'on fait avec eux, c'est résistance. Wow. Donc, bonne vision quand même, à quoi criez-vous la résistance, parce que nous comprenons les artistes en résistance, mais bonne vision à les artistes en résistance. Mais déjà, pour commencer, comme on a depuis le 30 jusqu'au 18, donc avant, en Tambique là, en Rabastère, en Rabaché, voilà. Le point de résistance, moi après, depuis jeune, on est résistant. Mm-hmm. Donc c'est la lutte. Tout en combat, pour la lutte. Parce que le matin, il faut lever son résistance pour faire face à la vie. Il faut faire face à tout le système villain pas là. Moi, c'est résistant. Non, en fait, il y a l'autre définition, mais moi, c'est la résistance, c'est ça. Quoi. Et contre conscience, c'est la résistance. Contre tout. Voilà. Résistance contre toute effectivement oppression, toutes ces bêtises qui a fait, parce qu'on voit tout le monde qui a souffert et qui a monté en résistance et on a confirmé que la résistance aussi c'est le lionnage, hein. C'est-à-dire que quand on a expliqué vous qu'on fait un lionnage des fois du noir civique là, des fois qu'on trouve au peut trouver au CHBT Bastère, on peut trouver n'importe côté, parce qu'on fait un lionnage. Voilà. C'est, et nous quand songer nous t'es vrai aussi, ou t'es pour les voitures à peine là où t'es là aussi. Vous êtes là aussi, voilà, voici à peine là les amis, ils étaient là aussi, ils étaient venus soutenir. C'est ça que j'ai un lionnage, je vois ça d'autres là, c'est qu'elle nous a essayé de mener sans travailler à faire de temps en temps, mais des fois, c'est vrai qu'on a une tendance à rester sans seule lutte parce qu'on a essayé de faire ça, parce que les autres ont voulu effectivement, vous voyez la suite à feuilleton à autres, mais nous a essayé, par contre, qui forcément dit dans ça, on lutte globale pour vous opérer ça vrai, effectivement, toute lutte qu'a faite. Essayer prendre temps aussi pour effectivement ben depuis ça parce que on fait un chef d'œuvre là avec avec Rapa Kokula. Oui. Oui là. Alors il quand montre nous un chef d'œuvre il fait avec Rapa Kokula. Ah Rapa Kokula. Ah attends Rapa Kokula. Non Kokula. Rapa Kokula va Rapa Congo. Il va pas la lutte si maintenant. Ça veut dire mais plusieurs combats. Du moment qu'on est même au natif là. D'accord. Chaque monde est nombre. Chaque combat est nombre. Mais non seule racine. D'accord. C'est bon. Effectivement. C'est vrai que il y aura du racine à coco aussi. C'est un bitin qui est puissant parce qu'il y aura du une des cyclones capable à racher case. Mais coco là ni racine qui est tellement fond en terre. C'est qui veut dire que même sous quoi sucré, il s'est facile à racher en pied coco. Ouais. Parce que c'est racine qui est puissant. Mais le coco, c'est l'élévation. D'accord. Parce que le coco, il a monté au soleil. Il a en haut lumière. D'accord. Donc c'est l'élévation, sa puissance, c'est la force. Et quand il a crié, il y a dans métaphore guadeloupéen, il a crié ça glopone. Il a dit glopone, c'est glococo. Et glodoubout, c'est con. Ah, nous pas qu'on est dans l'eau, mais nous voyons si quand même. Les amis. Nous allons garder pour nous d'autres informations, si d'autres luttes qui ont fait aujourd'hui là. Restez connectés sur les différents médias que nous en collaboration avec eux, ce qui veut dire Média 97+, Canal 97+, et Info Plocos TV.
pour que vous puissiez ni plus d'informations. Si je n'ai nous avons fini quand même par en vue de la pointe. Oui, force pour tout le monde va bien. Pour ce CHU, pour la petite Vastec, pour la petite les cliniques qui ont entendu. Ah oui, parce que là, en ce moment-là, ces camarades-là, ça difficile bah, parce que c'est quand même des mounes qui ont trappé en disant la lutte. C'est Yanis Chipotel qui a mené en l'eau lutte. Nous avons une grosse force encore pour Yanis. Yanis Chipotel, nous avons une grosse force pour Frérot. Et il y a aussi camarade Divon qui effectivement qui a mené en l'eau combat, en l'eau lutte avec nous. Nous avons une grosse force aussi pour camarade Divon parce que c'est des mounes effectivement que nous avons côtoyés dans la lutte. Voilà. Les amis, ils ont vrai nous mis là, rentrer à Pointe-à-Pitre. Devant le centre des arts, ils ont pas changé les gens avant. Et à présent, voilà. C'est artiste là qui a essayé de passer en vie. Je vais essayer de mettre des panneaux, des tout ça. Mais qui a fait 3-4 ans, effectivement, avant Covid là, que ces artistes là étaient venus là. C'était un bâtiment qui était en win. Et là, ils ont venu, ils ont nettoyé. Vous voyez, ils ont mis des petits graviers, ils ont nettoyé, ils ont propreté. Et les gens qui viennent là, les gens qui arrivent à apprécier différents buts qui ont fait ici. Donc, c'est ça aussi, ça a fait partie de la résistance. Vous voyez, ça a fait partie de la résistance. Donc, on a fini. Assis effectivement mot à la résistance là ça artiste en résistance du centre des arts et de la culture de la Guadeloupe.